Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, comme d'habitude, on a encore plein de choses à voir. On va voir ce qui a pop encore une fois au reset. Mais surtout, on va parler du futur méga KVK, la saison 6, qui pop enfin pour près de 286 royaumes. Si on regarde bien, et vous allez le voir, je vais vous montrer un fichier qui a été fait par le 1359, qui est tout bonnement énorme, un fichier de dingue. Et on remarquera qu'au final, il y avait 290 royaumes qui pouvaient s'inscrire, puisque 4 ne se sont pas inscrits. Alors je ne sais pas ce qui passe dans la tête de ceux qui ne s'inscrivent pas. Je ne comprends pas ces royaumes, sûrement 4 royaumes morts. Si vous êtes dessus ou vous avez des infos sur ces royaumes, je veux bien en savoir plus en commentaire, parce que là, je ne comprends pas du tout les rois de ces royaumes quand ils n'inscrivent pas leur royaume. Mais avant cela, venons-en aux packs qui ont pop, hein, également aux nouveaux commandants. Vous m'en avez parlé beaucoup sur Discord et en commentaire de la vidéo d'hier, vidéo de ouf sur l'ouverture des portes de niveau 4 sur le KVK 105. Si vous l'avez raté, je vous invite à aller voir cette vidéo et je vous invite également à suivre ce KVK. Il y a encore du mouvement, on y reviendra dans la semaine. On reviendra aussi sur l'ouverture des portes de niveau 5 par la suite et on ira voir d'autres KVK comme le 106, puisque je vous ai fait des rushs, ça sera pour la suite de la semaine. En attendant, regardons ce qui a pop. Donc pas grand chose sur certains royaumes. Certains m'ont fait part qu'il y avait apparemment le roi des cartes qui avait pop, pas chez nous. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur le plus grand gouverneur, on a encore Zenobia. Est-ce que ça va tenir? C'est-à-dire, est-ce qu'avec le pop des nouveaux commandants, ils vont nous laisser Zenobia? C'est vraiment la grande interrogation, puisque sans rien dire, hein, ils les ont passés pendant le dernier patch, justement. Et donc, on le voit, ils sont là à présent. On y reviendra plus longuement dessus. On sait à présent que Nabucodonosor, lui, pop au plus grand gouverneur, au MGE. Il me semble, c'est ce que le pronostic que je vous avais dit. Et notre ami au Saladier, Cyrus le Grand, lui pop donc en roue de la chance. Donc on va les avoir très prochainement, sûrement durant le KVK, sauf, ou le pré-KVK, sauf si ils sont remplacés tout de suite par Zenobia. Et là, on les aura donc durant le pré-KVK. Et d'ailleurs, les 286 royaumes qui vont avoir le pré-KVK qui va pop maintenant dans 1 jour 17 heures ont beaucoup de chance, puisqu'il s'avère que l'étape de création de troupes, l'étape 2 du pré-KVK, va se dérouler dimanche, lundi, mardi. Donc le lundi sera en commun avec le plus grand gouverneur. Donc croyez-moi, il va y avoir des scores de ouf sur tous les KVK qui vont avoir pop, car tous les royaumes vont se lâcher dessus. Ça va être tout bonnement énorme, sauf si certains jouent l'économie pour pouvoir construire et accélérer l'académie, par exemple, pour avoir des cristaux rapidement et monter leur niveau de recherche. C'est une des stratégies. On évoquera toutes les stratégies du KVK une fois qu'il aura pop, hein. J'en ai beaucoup à vous faire part. En tout cas, on en reparlera à ce moment-là. Revenons-en aux packs aussi qui ont pop au reset. On a 2 packs qui ont pop ces dernières 24 heures. Le premier est le pack classique. Alors, on va aller le voir. Il est là. C'est l'appel des anciens qui a de nouveau pop, hein. Il est revenu. Bon, rien de spécial sur ce pack-là. Tout le monde le connaît. On a aussi le pack limité chaque mois. Alors, ce pack-là, est-ce que je vous le conseille? Oui, si vous pouvez vous le permettre, je vous conseille de prendre ce pack-là. Pourquoi? Tout bonnement, car il va vous donner pas mal d'items, notamment au premier niveau des potions de points d'action, et vous allez en avoir besoin au maximum pour le KVK et pour faire les maraudeurs, par exemple, l'étape 1 qui va vous donner des coffres de ouf. Tout simplement, donc je vous conseille vraiment de prendre ce pack si vous pouvez vous permettre. En revanche, si vous êtes borderline et que votre KVK va commencer, je vous conseille d'attendre, puisque dans le dépôt d'approvisionnement, vous allez avoir un renouvellement qui va vous augmenter de 50% pendant 30 jours la création, la vitesse de création des cristaux, et vous allez en avoir besoin au maximum. Donc vraiment, je vous conseille, si vous êtes limité, d'attendre ce pack qui sera autour des 11 euros, 10,99 euros, si je ne dis pas bêtises, comme l'approvisionnement, la provision de gemmes durant 30 jours. Venons-en à présent au nouveau KVK. On va parler du KVK qui va pop, mais aussi du 501 et du 502 qui ont pop déjà depuis un certain temps, puisqu'à présent, la brume est dissipée. Au niveau des KVK qui vont pop, donc pour les 286 royaumes,
Le 1359 nous a fait un taf de ouf tout bonnement, puisque regardez ce fichier, il est tout simplement énorme. Le KVK 1359, le Royaume 1359 plutôt, nous a recensé tous les KVK qui allaient pop et surtout, surtout, sur quel KVK plutôt ils vont être chaque royaume va être affecté. C'est tout simplement énorme, c'est un travail de titan qu'ils ont fait. Comment ont-ils réussi à faire ce travail? Je vous en ai parlé durant le live. Ah, je vous disais qu'il y avait 4 royaumes non affectés, mais on voit il y en a un petit peu plus que ça. Il y en a 2, 4, 6, 7 sur le côté qui ne sont pas affectés. Donc c'est assez simple pour réaliser ce fichier, pour savoir où chaque royaume allait être. Il y a un petit bug qui a été remarqué par certains joueurs, beaucoup de joueurs notamment, ça s'est propagé très vite. Regardez, c'est très simple, si je vais sur les différents KVK, déjà vous remarquez, on est redevenu Imperium, on a soigné nos hôpitaux, on est redevenu Imperium tout simplement. Si vous allez sur les royaumes perdus, on va aller, imaginons, je veux aller sur le 504, je clique, je ne peux pas y aller, 505, je ne peux pas y aller, je ne peux qu'aller sur le 503. Ils ont fait ça pour les 286 royaumes en demandant à des joueurs sur tous ces royaumes-là où ils pouvaient aller et ils ont extrait ce fichier-là. Et donc, on le voit, si on regarde le fichier, le 1256 va être mon royaume sur le plus gros des KVK. Avec le 1239, le 1254 et le 1331 en tant qu'Imperium. Et on a avec nous au total 12 autres royaumes pour monter à 16 royaumes. Je me pose quand même une question, puisque moi-même, lorsque ce nouveau KVK est sorti, je vous ai dit c'était de la balle qu'on ait autant de royaumes. Mais à quel moment Kevin a sorti, écoutez les gars, je vais vous donner un petit tips. Il y a, lorsqu'on fait les ruines et qu'il y a que 2 royaumes qui s'affrontent, ça lag. On a vu le dernier match Osiris, la finale, lorsqu'il y a 30 contre 30 joueurs, on a des crashs de clients. Lorsqu'on se retrouve à 8 KD qui se font la guerre en même temps sur un KVK, comme on l'a vu sur le 105, il y a des latences, des lags et des crashs également. Donc, est-ce qu'on pourrait pas mettre genre 16 royaumes, 12 royaumes, voire regardez le KVK 519, il a 22 royaumes. À quel moment les mecs se sont dit que ça allait être une idée de génie de mettre 22 royaumes en même temps? Alors c'est sûr, c'est de la balle, mais comme je le disais hier à certains guildmates, c'est comme si on essayait de faire tourner un jeu PS5 sur Master System. You'll notice that this scanner build... Ça va laguer, ça va très probablement crasher. On va bien voir, mais j'espérais moi-même à la sortie de ce nouveau KVK que ça ne laguerait pas tant que ça. Mais quand je vois ce qui s'est passé à l'ouverture des portes de niveau 4 sur beaucoup de royaumes durant ce week-end, j'ai peu d'espoir que ça ne lague pas, voire que ça ne crache pas. Donc on va bien voir quand ça va se dérouler. En tout cas, sur grâce au travail du 1359, on le voit quand même que certains royaumes ont été très nettement favorisés sur l'affectation. Regardez tout bonnement le 508, le KVK 508 avec le 1059. Le 1059 est le seul Imperium du KVK 508 et le 1059 c'est les JWM. Les JWM sont tout seuls et sont avec des royaumes non Imperium. Il faut savoir qu'ils ont quand même bien bénéficié. C'est celui, le royaume qui, à ma connaissance, bénéficie le plus de la nouvelle barrière qui a été mise à 150 millions pour le calcul du matchmaking. Grâce à cela, ils diminuent leur puissance réelle de leur matchmaking de 2,1 milliards. C'est énorme, rien qu'avec notre ami Baba, il gagne déjà 1 milliard puisqu'il a 1 milliard 100, donc pratiquement 1 milliard de gagné grâce à Baba en diminution. Donc c'est vraiment abusé là, le KVK 508. Normalement, les JWM devraient le gagner. Hein. Je fais une prédiction, je m'avance pas trop, hein, mais là, c'est le seul Imperium et surtout, ils sont avec CB illimité cet Imperium. Donc, ça va vraiment être tendu pour ceux qui vont se retrouver face aux JWM. Sinon, les deux plus gros KVK, hein, regroupent des royaumes vraiment sans surprise, mais on remarque tout de même
que sur le 503 et le 504, donc le 503 monte futur KVK, normalement, hein, c'est une prédiction, et le 504, on le voit tout de même, il y a deux royaumes non impérium au milieu de tout ça, au milieu des quatre impériums, à savoir le mien, et en dessous le 1359 justement. Alors ça voudrait dire que notre petite astuce pour sortir de l'impérium aurait servi à rien, on aurait perdu des ressources et blindé nos hôpitaux pour rien. Je vais vous dire non, on va bien le voir lors du placement sur la carte, mais avec cette astuce, on devrait se retrouver avec le plus fort des non-impériums. Je ne sais pas lequel c'est entre ceux qui sont numérotés de la colonne 5 à la colonne 16. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Mais donc, normalement, on devrait avoir un binôme ou un trinôme avec les plus forts d'entre eux. Donc, ça reste quand même un avantage. Et on a bien fait donc de sortir de l'impérium. Normalement, on va bien le voir, on le sera très rapidement, on le sera dès après-demain, dès jeudi, puisque le cooldown sera terminé jeudi et donc on va le savoir immédiatement. À présent, les amis, on va se rendre sur le KVK 502. Vous allez le voir, c'est quand même un beau bordel sur ce KVK. Donc le 502 regroupe, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, il me semble, c'est un KVK nouvelle génération, mais à 9 royaumes seulement. Hein. Donc je dis seulement parce que vous le voyez, là, nous, on est de 12 à 22 pour le plus 22. C'est tout simplement énorme. Donc ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils en ont 10 sur le 502. Et vous allez le voir, on a les UCS, bien évidemment, sur ce KVK. C'est pour ça qu'on va sur celui-là. Et on va commencer. Nouveau KVK dit nouveau régime pour commencer. Nouvel endroit pour commencer. On va commencer en haut à gauche. Et regardez justement, on commence chez les UCS. Et déjà, ce qu'on remarque immédiatement quand on voit ce nouveau KVK, c'est qu'au niveau des couleurs, c'est le bordel. Donc j'ai été cliquer sur la forteresse croisée, on remarque qu'il y a quand même encore des petits bugs. Hein. Regardez, si je clique sur la forteresse croisée, je clique, on voit que c'est le camp de feu, hein. Je clique, on voit c'est K02, c'est les UCS qui l'ont. Mais quand je mets coalition, voilà, le royaume perdu n'est pas encore ouvert. Donc il essaye de me rediriger vers mes propres coalitions. Donc évidemment, coalition. Il me redirige vers mes propres coalitions, donc forcément je n'arrive pas à la voir. Membre 2, là je peux voir les membres, d'ailleurs on le voit le premier, il rigole pas en termes de puissance et de mise à mort. Les commentaires, on voit les commentaires, ça c'est les bons. Et contacter le, et ben il m'envoie à contacter le boss de la coalition. Mais en tout cas, si je clique dessus, je ne peux pas voir les royaumes et les membres, enfin plutôt les alliances qui sont dans cette dernière. Donc au niveau des couleurs, c'est ultra le bordel. Ça va être assez embêtant pour se TP et se repérer sur le KD. Ils auraient dû faire une couleur unifiée. Alors peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en aura une par la suite, mais je ne pense pas puisqu'on est quand même assez avancé. Il n'y a plus la brume du tout, donc on est quand même assez avancé sur ce KVK. Regardez donc, on le voit. On va essayer de repérer ce qui se passe. Au nord, ils ont pris leur forteresse croisée. Vous allez me dire, bah évidemment, avec des royaumes aussi anciens, ils ont pris leur forteresse croisée. Ouais, c'est pas forcément, puisque regardez celle-là, hein, elle est sans personne. Là, elle a été abandonnée. On le voit, hein, pourquoi elle n'a pas d'affectation? Ils ont dû l'abandonner, ils l'ont prise à un moment, ils l'ont relâchée. Peut-être un bug visuel, mais en tout cas, là, elle est grisée. Donc, c'est assez incompréhensible, mais c'est comme ça. Donc, on regarde dans cette zone mixte, évidemment, les UCS ont bloqué. Donc, le royaume, l'alliance du feu a bloqué au nord. Alors là, j'ai pas regardé ce que c'était. C'est l'alliance de la terre au sud, c'est l'alliance de l'eau ou du vent. C'est quoi ça? L'eau. Donc voilà, faut reconnaître leur logo quand même. Donc, l'alliance du feu a bloqué l'alliance de l'eau. Hein. Ils ne peuvent pas sortir sur cette zone-là. En revanche, ils peuvent sortir dans cette zone-là, la zone Zarat. Ils auraient dû changer les noms, hein, pour les zones entre Tahiti, Zarat, on a toujours Bengala. Faudrait qu'ils changent un peu le nom des zones. Dans cette zone, donc le nord contre le sud a écrasé le sud. Dans la zone mixte de Lucerne, vous le voyez, hein, les couleurs, c'est quand même tout bonnement le bordel, surtout quand ils prennent les mêmes couleurs. Regardez, on a du violet de ce côté, on a du violet plus foncé de ce côté. Donc là, on a un partage, donc j'ai regardé, hein. On a un partage entre les deux royaumes du nord de cette zone-là. Comment le savoir? C'est simple, on a des zones de contact ici et pas de combat. Donc forcément, on a un partage. Si on regarde bien, on n'a aucun drapeau qui brûle ici. Donc c'est assez étonnant. Donc ils ont fait une alliance inter-zone, donc ils ne s'attaquent pas. Après, ils ont pris chacun leur zone intermédiaire. Le nord ici en Weiji a bloqué le sud, vous le voyez. Alors là, on n'a que du violet partout.
On a du viol au nord, du viol au sud. Donc on pourrait croire ici, regardez, c'est ça qui est vraiment embêtant avec ce système de couleurs qui n'est pas unique. On pourrait croire que le violet a passé la porte, alors que la porte, elle est semi-protégée, il ne peut pas la passer. Donc il suffit de zoomer en fait et on voit en fait le violet enferme le violet. Donc c'est assez n'importe quoi, je dois bien vous dire. Et donc les deux alliances du sud sont bloquées et les deux plutôt royaumes ou cadets du sud sont bloqués et ils se partagent la zone Ceylan. Pourquoi ils se la partagent? Parce qu'il n'y a pas de drapeau qui brûle non plus et ils ont bien fait de se mettre en alliance, mais en tout cas ils se font pas mal maltraiter par le nord et au moins faire leur alliance, ça leur permet de partager ensemble les hôtels des ténèbres, parce que dès que les terres du roi vont ouvrir ou dès que les portes ne vont plus être semi-protégées, ils vont quand même commencer à manger, à mon avis, parce que les deux royaumes, les deux terres du nord sont quand même plus fortes que les deux terres du sud. Donc voilà, on constate donc que même avec des royaumes qui sont regroupés dès le départ sur ce nouveau système de KVK, on a quand même des alliances de zones, donc des alliances de royaumes de royaumes. Donc on a des méga alliances qui se forment. Malheureusement, le système de coalition ne permet pas de faire une coalition avec un cadet ou avec une alliance plutôt qui n'est pas sur votre zone de départ. Ça serait vraiment top si on pouvait faire ça. À ce moment-là, on pourrait faire des vraies alliances plus larges. Je ne sais pas pourquoi ils n'y ont pas pensé pour le moment. Peut-être par la suite. À mon avis, je rêve un peu, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qu'on constate, c'est vraiment une domination des deux, on peut pas dire des deux royaumes, puisqu'ils sont plusieurs royaumes, mais des deux coalitions du Nord, voire plusieurs coalitions. C'est assez difficile de trouver les bons termes là-dessus, qui écrasent vraiment tout ce qu'il y a au Sud et ce problème de couleur. Donc, lorsque je vous montrerai les KVK, nouvelle formule, et qu'on va s'y pencher, notamment 503, hein, puisque notre fil rouge sera mon KVK, c'est magnifique d'être dans le plus fort des KVK, du moins d'être dans le plus gros en puissance, et je suis très content notamment de retrouver le 1331. Le 1331, c'est vraiment un très très beau royaume. Je l'apprécie, j'ai toujours apprécié suivre ces KVK, donc je suis vraiment content d'être enfin sur le même KVK qu'eux. En tout cas, je devrais bien vous spécifier les couleurs parce qu'on le voit, c'est le bordel. Sauf si on se met d'accord avec tout le monde, y compris avec nos adversaires, pour choisir chacun des couleurs uniques. C'est ce qui serait le mieux parce que là, franchement, c'est clairement abusé. Allez, on retourne sur le 1256 à présent, les amis. A few moments later. Pour finir, les amis, et avant de se quitter, juste un petit point, une petite astuce sur les dindes affamées, ce qui va être valable pour tous les events comme ça saisonniers. Est-ce que ça a été patché ou pas? J'ai un doute. Si vous êtes sûr, mettez-le moi en commentaire, hein. J'épinglerai si jamais il y a eu un patch ou si ça a changé. Mais normalement, il est plus rentable. Alors vous pouvez dire pourquoi garder tout ce que j'ai en surstock en maïs? Car si je le change, j'ai simplement un pack de ressources de niveau 2. Et si je ne le change pas, j'aurai un coffre de compensation de niveau 1, je crois, ou 2, qui est plus intéressant que le pack de ressources de niveau 2. C'est pour ça que je ne le change pas. On va le savoir très vite, hein. Ça se finit demain. Et donc demain, on pourra regarder si j'ai bien fait de ne pas changer. Déjà, 1, ça me saoule de rester appuyé pendant 860 items de maïs pour les changer. Mais en plus, le coffre que je conserverai, que je vais récupérer, normalement est mieux. Je dis bien normalement est mieux, car Lilith nous fait souvent des belles surprises à modifier des choses qui sont avantageux gratuitement. Et là, je ne sais pas si c'est toujours maintenu. En tout cas, je n'ai pas vérifié la dernière fois et ça l'était déjà. Et vous pouvez le voir grâce à Barbare contre la montre, si vous l'avez fait, un course contre le temps où j'ai fini 5e. Voilà, pour ceux qui se demandaient et qui m'ont posé la question sur Discord, j'ai fini 5e et le premier de mon serveur a fini à 219 000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, grâce à Barbare contre la montre, normalement, tous ceux qui l'ont fait, vous avez pu vous blinder avec les items de maïs sans passer à la caisse, sans acheter le pack événement. Moi, je n'ai pas eu à l'acheter. Je crois que je l'ai peut-être acheté une fois seulement, le pack à 5,49. Mais je n'ai pas eu à l'acheter pour avoir ce stock. Simplement, en faisant mes essais de course contre le temps, j'ai pu me faire un méga stock et avoir les 25 niveaux. Et d'autres personnes chez moi dans mon alliance qui n'ont pas acheté le pack non plus, l'ont fait easy aussi grâce à le chain kill des barbares, grâce à cet event qui est tombé au bon moment.
Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère, comme d'habitude, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, 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 ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.